les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte sur un petit jeu qui est en promo là, en ce moment sur Inertial Drift. Allez, on va voir ce que ça donne. Apparemment il est très bien noté. Donc on va voir les sensations du jeu. Qui est des animés. Je ne sais pas si c'est pas un manga d'ailleurs. Allez, on va tester ça. Petit jeu paye 4A. D'accord. Un drifter avec joystick droit. Ok. Assez spécial. En fait, vous accélérez, c'est le joystick droit qui fait le drift. D'accord, vous arrêtez d'accélérer, vous prenez plus d'angle en fait. Ok. Noté, ok. Allez, mode histoire, on va voir ce que ça donne en mode histoire. Je sais pas si c'est des courses ou des concours de drift. J'ai le boisson. Bon, c'est très 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 arcade par contre. C'est très très arcade hein, et de drifter avec le joystick droit, c'est pas habituel, mais bon. Time attack. Okay. Oula, elle est plus lourde déjà. C'est pas mal quand même. Hein. Gérer avec l'accélération les deux joysticks aussi. Par l'angle, vu qu'elle a vraiment du mal. Faut relâcher l'accélérateur à chaque fois. Oula. On peut
bien accélérer. Là, elle est beaucoup plus lourde. Ah putain. Ah, du mal à tourner quand même. Faut lâcher l'accélérateur. C'est un coup à prendre. Mais c'est très arcade, mais c'est le système est pas trop mal quand même. Après, c'est pas très naturel de toujours gérer les deux joysticks. Une fois qu'on a maîtrisé le truc, ça peut être pas mal. Putain, c'est pas le 4. Ouais, 54, ça va être tendu. Est-ce qu'il faut être habitué à pas taper un mur ni rien? Bon, c'est question d'habitude, je pense. Est un peu lourde, après je sais pas si on peut améliorer la voiture ou pas. C'est une course pour voir. Ça commence à venir. Et de là à rattraper l'autre. C'est pas évident quand même. Il y a moyen de s'amuser quand même. Hein. J'ai peut-être pas pris la meilleure bagnole pour débuter.
voir, mais c'était pas pareil. Difficile à rattraper l'autre quand même, hein. À suivre du moins. Course fantôme, résultat de 51. Course. Bon, a priori, je pensais pas qu'on puisse améliorer quoi que ce soit. On va faire une course quand même. Ah, c'est un duel. Déjà de base il va plus vite. Hein. L'entrée c'est quand même, ils sont quand même, l'IA est difficile à suivre. Je suis à 2 secondes derrière. Ouais, je sais pas. Chaque fois là, chaque fois, putain, tu vois, j'arrive pas à le prendre. Ouais, je sais pas. Ah, pour une fois, j'ai bien pris celui-là. Et est-ce qu'on peut mettre un facile, est-ce qu'il y a un niveau de difficulté, je sais pas. Pour le temps de se chauffer un peu, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Non, voilà. Continue de débloquer, nouveau défi, nouveau défi. Ok. Sur la ville, ok. On va partir, on va essayer le défi pour voir à quoi ça ressemble. Essayer ça pour voir.
Je pense qu'il faut avancer dans le mode histoire pour débloquer les défis. Ça, il n'y a pas beaucoup de temps de chargement. En fait de compte, il faut donner un coup de frein. Il faut donner un coup de frein pour la faire déraper. D'accord, ok. D'accord, on va dire que de 52, il n'est pas gagné. Vas-y, tourne pas cette couille là. Ah vas-y, pourquoi elle drape pas là? Putain mais... Ah, il faut lâcher l'accélérateur. Qu'elle veut la voiture. Hein.
qu'est-ce que tu veux faire cette canne de tourpan. Chaque fois, putain. Ouais, vas-y, un peu plus, elle se retourne. Franchement, c'est pas mal, mais alors, la maniabilité, faut s'habituer d'une voiture à une autre, c'est plus du tout la même. Je vais essayer une dernière fois. Là. Je vais jouer de m'en approcher. Faut gérer l'angle aussi, donc. Vas-y, mais c'est ingérable là, cette merde là. Ah moi ça. Pareil, toujours au même endroit. Manque un peu, mais je vais améliorer un peu quand même mon chrono. Pas loin maintenant là, au bout d'un moment. Ah, ouais, je suis vraiment pas loin. Je suis vraiment pas loin, j'étais vraiment d'accord. Moi je pense que vous devez, ça doit venir. Ça y a que celui-là pour l'instant. Non, après arcade, je sais pas, on choisit le lac, le circuit que vous voulez, le grand prix, time attack, duel. Je vais laisser la voiture. Il y a 5 courses, écran partagé en ligne. Ouais, c'est un petit jeu pas trop mal. Après, faut s'habituer. Il y a comme il y a un... pas mal de défis quand même. Un mode d'histoire, 8%. Ah, il doit pas être si long que ça. Donc écoutez, après au niveau trophée, je sais pas ce que ça peut donner.
ça c'est le trophée que tu as automatiquement. Utiliser le stick, participer à quoi ça? Participer à un duel. Je sais pas, participer à un duel. Événement d'endurance. Participer à un événement de style. Inscrire au classement du time attack en arcade. Événement de style arcade. Débloquer Boba Katana. Ça c'est débloquer toutes les bagnoles. Voilà. Terminer l'histoire d'Edouard, Ada, Iba, Viv. Terminer un scénario mode histoire. Un bien grillé, ça je sais pas. 10 tours en mode entraînement ou une session, gagner une course, gagner un duel, faire mieux que le temps visé de la coupe de fantôme, obtenir une médaille d'or, un éventuel événement d'endurance, obtenir une médaille d'or en une course contre la montre, avec des d'or à style, terminer un événement sur tout le circuit, surtout le circuit à l'envers, atteindre un checkpoint avec moins de 1 seconde restante, obtenir une médaille de platine. Terminer le scénario à 100% et terminer le mode Grand Prix avec toutes les voitures. Ah, il y a de quoi faire quand même. Peut-être pas mal. Après, il faut essayer plusieurs voitures. Si je suis bien, ça me garde le problème. Une autre partie. J'ai essayé de changer de voiture pour voir. Vive et pas débloqué, à mon avis il faudra finir le jeu une fois. Pour voir. Pour terminer cette vidéo découverte sur ce petit jeu de drift. Bon a priori il n'y a pas de multi, c'est que du solo. Donc ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal à... Allez, on va voir le comportement de cette voiture comparé à l'autre. Maniabilité beaucoup mieux, elle va beaucoup moins vite aussi, c'est toujours pareil. 1 minute 6. Ouh, ça tombe pas. Bon, pas besoin de désaccélérer celle-là. Maniabilité quand même pas mal. Et plus facile que l'autre. Après de là avoir le chrono, ça c'est autre chose. Ce qui est bien c'est que tu peux ajuster l'angle. Donc tu passes quand même plus vite que les autres, tu vois. Oh, pourquoi pas. Ah si. Bon du coup là c'est avec celle-là c'est quand même beaucoup plus facile. Hein. Donc je vous conseillerais de commencer l'histoire avec celle-là, quand même. Hein. Parce que je pense que ils peuvent plus être beaucoup plus facile à gérer pour les courses et compagnie. Du coup ça vous permettra de débloquer d'autres défis, je pense. Hein. Ajuster avec un coup de joystick là. Après c'est un petit jeu sympa, après ça plaît ou ça plaît pas, mais je pense que ça peut être une bonne alternative, surtout qu'avec les promos en ce moment il est en promo, avec les promos il est en promo, il est bien moins cher avec la promo, donc autant en profiter. La maniabilité est beaucoup plus facile à ça. Franchement. J'arriverai à passer en dessous des 1 minute. Avec un peu de chance, c'est médaille platine. Au moins d'une minute. C'est ce que j'aimerais voir.
S'il y a des médailles platines, je peux le voir. Tour parfait. Ah voilà. Tour parfait, du coup, voilà. J'ai en dessous d'une minute, c'est médaille platine. Bon, j'ai la première course de l'histoire avec cette voiture, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais vous présenter pour ce petit jeu de drift sympathique. Profitez, c'est en promo. Mais c'était Grog34, merci d'avoir vu cette vidéo. Abonnez-vous. Et c'est tout pour moi. Allez, bye.